Hey tout le monde, c'est Rapi. Aujourd'hui, j'avais envie de présenter Excel PS, voilà. Donc déjà, je souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année. Je suis enfin rentrée chez moi. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter tous mes cadeaux de Noël. Donc, il y a des LPS, bien sûr, et il y a un colis de mode, voilà. Sinon, bah, j'ai eu de l'argent, donc ça, au fond, c'est pas très intéressant, donc je vais pas vous le montrer. Donc, on va commencer tout de suite. Je pense qu'on gardera les LPS pour la fin, on va commencer tout de suite avec le cadeau de mode, même s'il y a un LPS dedans, voilà. Donc au final, je vais quand même d'abord commencer par cette petite figurine que ma mère m'a achetée. Alors, je me rappelle que Food Room, on avait déjà acheté un qui était blanc et bleu et qui est sur les étagères. Du coup, je les mettrai à côté parce qu'ils sont trop mignons. C'est des sortes de petits de la chance. Donc, on passe du coup au colis de mode. Donc, il y avait déjà une petite lettre, voilà. qui commence par Kuma Awapi, voilà. Dans cette lettre, il y avait un porte-clés super joli. C'est celui-ci, donc c'est un porte-clés Demolos, donc c'est mon Pokémon préféré. Je me rappelle il y a une année, je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que c'était l'année dernière. Elle m'a offert un coussin avec des Absol et des Demolos dessus. Il y avait aussi, je crois, des Elixprint. Voilà, que des Pokémon que j'aime et surtout pour le Demolos. Hein. Voilà, donc du coup, c'est trop magnifique. J'essaierai de l'accrocher quelque part. Voilà, super beau. Ensuite, comme l'année dernière, elle m'a offert un raton laveur. Non, c'était peut-être un anniversaire. Enfin, je sais plus, en tout cas, je sais qu'elle m'avait offert un raton laveur NIB. Et cette année, c'était un pingouin NIB. Et franchement, il aurait trop été en lien avec la vidéo que je vous ai sortie il y a pas longtemps, tous mes LPS, tous mes pingouins. Si vous l'avez pas vu, je vous encourage à la voir. Voilà, donc il est super beau, il est en super bon état, je trouve. Enfin, il est juste un petit peu cabossé là. Mais étant donné que je l'ai déjà et que en plus c'est un exclusif européen, je vais le garder. Donc là, on voit les autres LPS de la série. Ce LPS est rare pour les Américains aussi, et celui-là aussi, en fait globalement un peu toute la série. Et je les ai tous, hein, je crois. Oui, je les ai tous. Et donc il est super beau avec sa petite gourde jaune. Donc du coup je l'ouvrirai pas, même si j'ai vraiment envie d'avoir ce poster, mais je crois que je l'ai déjà. Donc ça ne servira à rien. Et on peut voir aussi que là, le pingouin ils se sont gourés, ils ont oublié la petite tache. Voilà, souvent ils se trompent dans les images de promotion. Donc voilà, il est super joli et du coup j'aurais aimé vous le montrer dans la vidéo de tous mes pingouins, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc il rentre dans ma collection de NIB. Et donc là, c'est un truc qui va pas du tout rentrer dans mon décor, donc je vais vous le montrer à part. C'est vraiment un cadeau de ouf, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, quand j'ai vu la taille du colis, je me suis dit, elle avait que ça comme carton quoi, parce que c'était vraiment très très gros, mais en fait non, ça rentrait parfaitement bien. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je vous avoue, désolé si ça tremble un peu, mais c'est une énorme figurine de la Discord, en fait, dans My Little Pony. Et je sais pas si vous voyez bien comme ça, mais elle est énorme. Du coup, je sais que vous avez du mal à le voir et pour l'instant, je vais le garder emballé parce que je sais pas si vous savez, mais je déménage vers février normalement pendant les vacances. Du coup, j'aurai une autre chambre et du coup, normalement, je devrais avoir des étagères pour la poser dessus. Pour l'instant, je vois pas trop où je pourrais la mettre. Donc, comme j'ai pas envie de l'abîmer, surtout avec le déménagement, du coup, je la laisse dans la boîte. Mais du coup, vous la verrez mieux quand je ferai le room tour vers février-mars, du coup. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent un room tour, mais actuellement, ce serait pas très intéressant. Donc, du coup, vous l'aurez, mais plus tard. Tout comme la nouvelle présentation de Pet Shop Mars, d'ailleurs, vous l'aurez aussi vers cette période. Et donc, maintenant, on va passer au LPS. Il y a deux boîtes, donc désolée si vous aimez pas, mais c'est des G5, voilà. Parce que c'est ma mère qui les a achetés, elle les achète en magasin. Alors, un truc que je pourrais faire pour l'année prochaine, pour mon anniversaire, c'est en gros faire une liste de G2. Que j'ai envie d'avoir et du coup demander à mes parents de me prendre ceux-là, enfin d'en choisir parmi cette liste. Mais cette année, c'était des G5 et voilà, c'était des LPS que je voulais. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc c'est là que mon décor risque d'être un petit peu limité. On va commencer par un pack que je voulais beaucoup. J'avais déjà eu l'autre dans une vidéo, j'avais fait une ouverture. Je sais pas si vous l'avez vu, peut-être que je la mettrai à la fin de cette vidéo si j'y pense ou dans la description si j'y pense également. Il s'agit donc de ce pack. Parce qu'on y était presque hein, niveau taille là. Donc c'est le pack photomaton en fait, donc flashy photo booth en anglais. Donc l'autre pack c'était une sorte de camping avec un chien que je voulais énormément, une sorte de cocker ou d'épagneul.
Et donc là, on a, je pense, une sorte de chat angora avec un petit lapin. Et du coup, on a un miroir pour se préparer et tout. Et puis, d'ailleurs, c'est creux, hein. Je peux mettre la main là. On a les photos, j'adore quand ils font ça. Il y avait déjà des appareils photo LPS où les photos sortaient. Et donc là, on a le photomaton, en plus avec le petit rideau pour cacher. C'est trop trop mignon. Et donc, j'imagine qu'on fait passer les photos par ici. Bon, c'est pas trop non plus un photomaton parce que normalement, en photomaton, on n'a pas le droit de s'habiller ou des trucs comme ça. Mais... Enfin, de s'habiller, non, je veux dire de mettre des accessoires. Ça je vois pas trop ce que c'est, pour faire des fonds je pense. Et puis là on a une couronne qui est trop belle, alors j'espère trop que j'arriverai à la mettre sur des G2. Puis là on a une couronne qui est trop trop belle, alors j'espère qu'elle ira aussi au G2, faudra que j'essaye. Parce que j'essaye toujours de faire ça avec les accessoires, bon le chapeau avec la barbe c'est sûr que ça ira que au lapin. Et encore ça m'a l'air déjà grand. Et là on a des petites lunettes trop trop mignonnes. Du coup voilà, je vais ouvrir tout ça hors caméra je pense parce que je vais encore galérer comme une grosse merde. Et puis on se retrouve quand tout est déballé pour vous montrer tout en détail. Donc j'ai tout ouvert, voilà. Donc déjà on a le photomaton, du coup de ce côté on a le rideau qu'on peut tirer bien entendu des deux côtés. Et de l'autre côté ça donne ça, voilà, donc il y a des escaliers. Ensuite l'autre qu'on a c'est ce miroir, donc ça fait vrai miroir, hein. Là vous voyez tous les autres accessoires qui sont actuellement devant moi. Voilà, donc on va le diriger vers la lumière. Voilà, donc c'est pour se remaquiller, etc. Ensuite, on a plein d'accessoires, en fait. Donc déjà, on a la petite couronne, ce casque avec une barbe, une petite jupe qui peut peut-être aller à des G2, faudra essayer, un nœud. Ça peut faire un collier pour G2 aussi. Ça, je sais pas trop si c'est un collier ou si ça se met sur l'oreille. En tout cas, on a un petit diamant dessus. On a encore une sorte de jupe ici. On a les mini lunettes du lapin, qui sont vraiment très 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 petites. Un chapeau, qui pourrait aussi aller à des G2. Et des lunettes qui sont également à la bonne taille, puisque c'est les lunettes du chat. Et donc ensuite on a donc les photos, qui doivent sortir par ce trou. Et je dirais du coup deux sortes de fonds. Et donc pour les PS, on a ce petit lapin, peut-être un lapin bélier. Voilà, il est trop 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 mignon, il est jaune, beige, très clair. Vous voyez mon sweat dans le miroir. Et enfin, le LPS, enfin le gros LPS, enfin le LPS de taille normale quoi, le chat angora j'imagine. Voilà, il est trop joli je trouve, il est blanc et il a légèrement du violet vers le museau et sur les pattes. Voilà, il est trop trop mignon. Et donc là voici avec ses lunettes du coup, vous voyez que ça peut aller sur des G2, je vous dis à chaque fois quand ça peut aller sur des G2 parce que au cas où ça vous intéresse tout ça, c'est, enfin même si vous aimez pas les nouveaux LPS, bah tout ça ça peut être à la taille des G2 et je pense que la plupart des accessoires peuvent s'adapter aussi, même si c'était pas forcément volontaire. Donc par exemple si on prend Yoko, alors certes elle est un peu petite mais on peut faire une jupe avec ça, voilà. C'est un peu petit mais... Oula, pardon. C'est un peu petit mais ça peut le faire, voilà. Parce que perso, j'ai pas beaucoup de jupes en G2, c'est assez difficile à trouver je trouve. Et puis sinon, bon là je viens de déshonorer un danois mâle, parce que j'ai pas de femelle sous la main, mais voilà. La couronne, elle peut très bien aller sur un G2 par exemple. Après ça dépend quel G2 bien sûr, mais ça c'est pour tout, hein. Bon ça c'est un défaut de fabrication. Mais voilà, du coup je viens de déshonorer mon commissaire. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer du coup que ça peut aller très bien. Du coup bah c'est tout, je vais peut-être mettre les petites lunettes sur le lapin. Voilà, c'est tout petit, c'est assez la galère mais c'est trop mignon. Voilà. Et donc par ici on peut faire dérouler les photos comme ceci. Voilà, on peut un peu les plier pour que ça sente comme ça, comme sur les appareils photo de G2. Voilà, donc c'est trop mignon. Donc je pense que tout ça, j'essaierai de le placer là où il y a le salon de toilettage. Vous voyez, je pense, si vous avez vu la vidéo de ma vie, en gros, c'est là où il y a le salon de toilettage. Et du coup, il y a aussi le coiffeur. Et je pense que ce serait logique de mettre ça à côté, parce que comme ça, il y a le miroir là pour... Enfin, il est très bien ce miroir, parce que du coup, on peut placer plusieurs LPS. On peut mettre le petit chat. Et, enfin le gros chat plutôt, et le petit lapin, et même un LPS de taille moyenne, enfin un Tinty, non mais pas un Tinty c'est ça, un petit LPS voilà ici. Et du coup je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, mais j'ai intercalé le fond ici. Du coup je pense que bah, c'est comme ça, donc là aussi en fait en gros je pense que l'appareil photo est censé se situer ici, donc on peut rajouter un appareil photo G2 je pense. Et donc du coup on a... les étages pour un gros LPS, un moyen et un Tinty, voilà. On en a donc fini avec ce pack, mais ce n'est pas tout puisque j'en ai eu un dernier du coup.
que je vais vous montrer, qui est plus gros que l'autre, mais qui n'a pas d'accessoire, je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est celui-ci. Voilà, une vue globale, il y a un reflet, super, comme d'hab. Et donc c'est le pack du Bulldog français. Voilà, je pense que vous connaissez ce genre de pack, hein. J'en ai déjà ouvert plusieurs fois sur ma chaîne. Et là on a le Golden Retriever qui est juste trop magnifique. Il y a certains EPS que je trouve trop beau là-dedans, il y a celui-là, ça doit être un paresseux je pense. Et ici, ça doit être une sorte de lémurien, après je garantis rien. Il y a aussi un phoque ou une otarie qui est trop jolie. Et ce petit chat Munchkin, voilà. Ils sont trop choux, donc du coup je vais ouvrir pareil sans filmer. Puis on se retrouve après. Voilà, j'ai enfin réussi à tout ouvrir, c'est vraiment une grosse galère, à chaque fois on se défonce absolument les doigts. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On va commencer du plus petit au plus grand, parce que les plus petits c'est souvent ceux que j'aime le moins, en G5 je parle bien, parce que sinon les Teen 6 en G2, j'en recherche mais j'en trouve jamais. Enfin bref. Voilà, c'est surtout que c'est très difficile à utiliser en vidéo, donc le premier c'est celui-ci. J'adore, il est trop mignon. Alors qu'est-ce que c'est comme animal? Ça doit être une sorte de lézard, à mon avis. Ici on a un petit escargot. Et le dernier Teen 6, je ne saurais pas trop vous dire qu'est-ce que c'est. Ça a des antennes, ça a 6 pattes, donc c'est un insecte. Ça a une sorte de carapace. Mais ça n'a pas de poing, alors je dirais que c'est pas une coccinelle, mais je sais pas, proposé. On a donc ce paresseux qui est trop mignon. Je crois qu'il n'y en avait pas. Non, ça n'existait pas les paresseux en G2. J'ai pas le souvenir et je pense pas, en tout cas j'en ai pas. Donc voilà, ils sont trop mignons, j'adore leurs pattes aux paresseux, ils ont vraiment des grosses griffes. Ensuite on a un oiseau qui a des couleurs super jolies. Je sais pas ce que c'est comme oiseau non plus parce que je m'y connais pas assez. En tout cas il est trop beau. Ensuite on a un singe. Je suis pas très fan des singes, mais il est mignon. Mais ça c'était déjà en G2, je suis pas très fan des singes. Voilà, même dans la vraie vie. Ensuite, on a un petit... Je pense que c'est un lémurien, après je suis pas sûre, vous pouvez proposer. Je pense pas que ce soit un chinchilla quand même, ça a une tête un peu plus sauvage et ça me rappelle un peu les bestioles dans l'âge de glace, mais voilà. Non, n'importe quoi, pas dans l'âge de glace. Bah si, bah non. Non, dans. Je crois que c'est plutôt la bestiole dans Madagascar. Enfin voilà, dans l'âge de glace c'est des opossums. Voilà. Ensuite on a ce petit chien, je saurais pas trop dire la race, je dirais que ça ressemble un peu à un berger belge. Un EPS. Ce qui est souvent appelé un berger allemand aussi, que je pense qu'officiellement c'est un berger allemand. Mais ceux qui me suivent, vous savez que j'appelle ça des bergers belges. Ça ressemble à ça, je trouve. Après, je sais pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Parce que ça ressemble pas trop à un chihuahua. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, comme c'est Teen 6, on veut toujours. J'ai toujours envie de voir un petit chien, mais ça peut être un plus gros chien, c'est juste que le EPS est petit, c'est tout. Donc je ne sais pas. Mais personnellement, je dirais que c'est un berger belge quand même. Ensuite, on a le phoque ou l'otarie. C'est pas un morse parce qu'il n'y a pas de dents. Donc voilà. En tout cas, il est trop mignon. Il a des couleurs trop jolies. Et donc, le dernier LPS de petite taille, c'est ce chat Munchkin. Donc, c'est les chats bassés. Voilà. Donc, j'adore les bassés. Du coup, un chat, c'est encore trop mignon. J'adore les petits motifs qu'il a sur lui. Ça me rappelle les G2. Et donc, enfin, on passe au gros LPS du pack. Donc, on avait ce Golden Retriever qui est trop mignon. Il n'y avait jamais eu de Golden Retriever en LPS. Là on voit que c'est un Golden Retriever parce qu'il a beaucoup de poils, alors que les LPS c'était des Labradors plutôt. Et on avait eu un Labradoodle mais un collector, et il y avait eu d'autres LPS dérivés de ce collector. Mais c'était pas toujours pas un Golden Retriever, parce que les Labradoodle c'est à poils frisés. Donc du coup ça c'est un Golden Retriever, voilà. Dédicace à Gun, le chien de Doggy, voilà. du coup il est trop mignon. D'ailleurs je l'appellerai peut-être comme ça, je sais pas. Voilà. Le piaf s'est cassé la gueule. Et donc le dernier LPS de ce pack, il est trop beau, il a des paillettes, il est magnifique, c'est celui-ci. Regardez dans les oreilles, il a des paillettes, ça brille. Voilà. C'est un bulldog français. On en avait en G2, des bulldogs français. Ils étaient plus massifs que ça. Et ils faisaient plus bulldog français, je trouve. Parce que là, on voit, il y a des petits plis vers le museau. Je pense que c'est trop éclairé. Mais vous voyez, je pense, un petit peu. Il y a des petits plis sur le museau parce qu'ils ont le museau très écrasé. On a également le Mystery, j'avais complètement oublié. Mais dans le pack, on a donc ceci. Voilà, je cache la lumière. Et donc il s'agit... Ah, il sort.
d'un petit chien pas content, voilà. Alors je pense que c'est un bulldog anglais. Il est tout sale. Ah oui, en fait, il y a plusieurs LPS qui ont des sortes de taches comme ça, de boue en fait. Voilà. Donc c'était le mystère, le pet shop mystère de ce pack. J'ai des taches bizarres sur le dos, c'est étrange. Bref. Donc voilà, il est trop mignon. J'adore sa couleur. Il rend beaucoup mieux à la caméra d'ailleurs. Bon bref. Voilà, donc c'était le mystère de ce pack. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo ouverture. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Faire la vidéo ouverture, c'était plutôt mes cadeaux de Noël en fait. Donc je remercie encore une fois Ginette de m'avoir offert tous ces cadeaux parce que vraiment c'était magnifique et je m'attendais pas du tout pour la figurine Discord. C'était vraiment trop beau. Je suis super contente des LPS que j'ai eu. J'ai beaucoup de G5 maintenant, hein. Il faudrait que je les recompte tous parce que je sais pas exactement, je les ai pas tous comptés dans ma collection. Je sais qu'il y en a, j'avais pas compté parce que je me suis dit en fait je vais compter que les G2. Dans le compte total, on va dire, enfin voilà, dans le compte que j'ai actuellement, mais en fait, non, j'ai compté quand même les certains G5, donc bah, du coup, voilà, c'est un peu faussé. Là, je sais pas exactement combien j'ai de LPS en ce moment, en tout cas, en G2, j'en ai plus de 1500 normalement, mais en tout cas, quand je déménagerai, je recompterai tout, je vous ferai une nouvelle vidéo collection, voilà, donc je vous préviens. Parce que bah du coup comme je vais tout enlever, ce sera plus simple que de tout enlever et tout remettre tout de suite quoi. Là j'aurai vraiment une occasion de le faire. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Puis bah on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.